Oh loulou! Ah oui! Yo, salut à tous! Quoi neuf, mes gringos, mes gringas? Yo, les amis, bienvenue sur ma chaîne, les amis. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Yo, les amis, ça fait longtemps, ça fait un bail, j'ai pas fait de vidéo. Je suis vraiment désolé, les gars, mais vous connaissez, vous savez très bien ce qui se passe dans le monde du travail. Ça travaille, il y a les soldes, ça travaille dur. On a des enfants derrière, donc on n'a pas trop le temps de faire des vidéos. Bref, les gars, je suis là, je suis pas là pour raconter ma vie, les gars. Bon, les gars, si aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo, c'est parce que Boba, il a encore frappé. Ah ouais, cette fois-ci, sa cible, c'est qui? C'est Damso. On le savait déjà que depuis un moment, il parlait de Damso et tout, mais là, il a confirmé que voilà, il va le finir. Mais gros, les mecs, il va finir qui? Il a pris le seum parce que Damso, il a quitté le 92i. Il préfère voler de ses propres ailes. Vous avez capté? Du coup, bah, vous savez, hein, Damso, il est en train de faire du bruit. Donc derrière lui, tu vois, donc Boba, ça le fout de la haine que voilà, que Damso il est plus, il fait plus partie du 92i. Mais Boba, franchement, ça y est, t'as fait ton temps, t'es vieux, c'est bon, laisse la nouvelle génération faire leur beurre, frérot. Ah ouais, moi je suis pas là pour clasher les amis, moi je suis là pour donner mon avis et dire ce que j'en pense. Vous aimez pas les gars, c'est mon avis personnellement. Donc voilà, bref les gars, en tout cas, franchement Boba, et voilà, hein, vous le connaissez tous, hein. Toujours dans le clash, toujours dans le clash. Les gars, vous savez quoi? C'est comme, en fait, le clash, c'est comme du piment. Tu sais, au début, quand tu manges du piment, ça pique de ouf. Ah voilà, tu dis merde. Mais à force de manger, t'es habitué. Du coup, voilà, tu sens même plus le piquant, tu sais. Tu sens même pas le piquant tellement t'es habitué. Donc voilà, le clash, c'est ça. On est tellement habitué à ça que voilà, bref. C'est vrai que dans le rap, le rap, c'est quoi? C'est un jeu, c'est quoi? Comment c'est un espèce de duel, combat, tout ça. Voilà, tout le monde veut montrer qu'on est le meilleur, tout le monde veut être le meilleur. Mais bon, voilà, vous avez capté. Maintenant, aujourd'hui, la nouvelle génération, elle est là, elle fait du bruit, la nouvelle génération. C'est vrai que le rap, il est plus comme avant, mais bon, voilà, on n'est pas là pour ça. Bref, en tout cas, Booba, il aime pas que les gens autour fassent du bruit, quoi, tu vois. Dès que quelqu'un commence à s'en sortir, bah voilà, il est là pour le descendre. Et moi je dis que voilà, il va finir personne les amis. Damso il est là. Il y a du monde derrière lui. Il y a les gens qui le soutiennent, il y a les gens qui l'écoutent. Il y a tout ça. Donc je pense pas qu'il va l'éteindre comme ça. Ça va être compliqué hein, pour éteindre Damso. Ah, il fait du sale Damso. Donc voilà. Hein. Moi j'aime bien, moi personnellement j'aime bien ce qu'il fait. Hein. Donc vas-y, je te souhaite une bonne chance. Franchement, bonne chance pour les détruire. Hein. Ah oui, hein. Je t'ai nique. Tu vas niquer personne, mon poteau. Ah ouais, gros. Si tu continues, tu vas niquer ta carrière, gros. Donc voilà, vaut mieux tu restes à ta place, Boba, tu vois. Reste à ta place. Damso, il est lourd. Il fait du sale, les gars. Et croyez pas, je suis fonce dé, les gars. Je suis pas fonce dé. Ah oui, hein. C'est juste que voilà, il me fait rigoler, les gars. Je vous laisse écouter vite fait ce qu'il raconte, les gars. Et franchement, vous allez me dire. Vous allez me donner des nouvelles. Ah ouais? Tu fais quoi? Ouais gros, mais vas-y le prochain. Donc ta cible c'est qui? C'est Damso. Mais tu vas pas le finir gros, il est loin, il est loin, il a pas le temps, il a pas ton time. Bon les amis, sur ce les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Ici c'était Roy Voodoo les amis. Voilà, je vous dis ciao. Ah oui hein.